village, à du cocon et tous les moulinages. Bonjour le bio, le bon vin et la fête, un petit peu d'herbe, pas mal de marquisettes. Allez l'ami, lève bien haut ton verre, à la santé de tous les gens d'ici. Syrah, Grenache, déjeuner des chèvres, Châtaigne, Tom, c'est ça qu'ils ont choisi. Le rythme de la vie, voilà, nous attendons dans les saisons, à la hauteur du ring, qui va s'y dérouler traditions. Maintenant avec la nouvelle station. Et le gaz de schiste, bien des choses peuvent changer. Mais il y aura toujours la chasse au sanglier, une grande table, un feu et l'amitié. Lève bien haut ton verre, à la santé de tous les gens d'ici. Syrah, Grenache, déjeuner des chèvres, Châtaigne, Tom, c'est ça qu'ils ont choisi. Par des choix, cœur fidèle, tu sois allé à Lyon ou à Paris. Allez les gars, levez-vous et vous. L'entrejambe, on nettoie le bout de la pelouse. Et là, on va, comme à la machine, attaquer les gilets. Vous pouvez voir, quand même, il y a une petite nuance de. Quand on se coupe pas le tour à la machine, on descend du haut du dos jusqu'au bout là-bas. Alors que là, on prend tout à la montée. Mais elle a pas un petit tressé, ils ont l'habitude. Alors, l'avantage aussi des forces, c'est que on n'est pas à ras de la peau de l'animal. Donc, on laisse plus ou moins quelques millimètres de laine sur le dos de la brebis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que. La repousse de la laine se fera mieux derrière, étant donné qu'on aura moins traumatisé au niveau du bulbe de la fibre de la laine. On l'aura moins traumatisé, donc elle repoussera un peu plus vite. Et une fois tendue, la brebis, en fait, c'est comme si elle avait 3 à 4 semaines de repousse de laine sur le dos. Donc des brebis qui sortent tirées assez rapidement. Au printemps, on aurait un peu de soucis sur le temps, on se dirait, ah, on n'est pas sûr. Et avec cette façon de faire aussi, ça permet que la brebis ait un peu de laine quand même sur le dos pour, au cas où, un petit coup de froid ou un petit coup de pluie. Trop long, ça.